Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour ce showmatch incroyable et tant attendu entre deux députés, la France Insoumise et la République En Marche. Je suis accompagné de Gob, ça va mec? Salut, ça va très bien, écoute, tranquille. Bah t'es chaud ou quoi? Mais de vous, genre... Ouais, ça va être trop drôle. Introduction, il se trouve que avant d'être des représentants du peuple français, vous êtes des gros nerds, vous jouez aux jeux vidéo depuis des années. C'est pas une opération de com où genre vous débarquez, vous connaissez rien aux jeux vidéo et vous essayez de racler des voix ou je sais pas quoi. Vous jouez à LOL à titre personnel. C'est quand même de racler des voix. Hein. Ouais. Non, mais ça m'étonne pas, toi. À chaque fois qu'un politique tweet sur le jeu vidéo, forcément l'ensemble des personnes qui sont sur Twitter disent récupération politique, ça c'est la mode. Allez, c'est qui part? Oh là là. On est sur le top. Ah oh bah d'accord, ok, d'accord. Bon bah là au moins on est sur un Tristana, Tristana. Et regarde, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui est parti avec Exhaust Ignite parce qu'il sait que le flash en 1 contre 1, bah c'est défensif plus qu'agressif. Défensif, ouais, ouais. Du coup, la petite Exhaust qui pourra peut-être faire la différence. C'est intéressant en tout cas. Ah là, les gens qui se posaient la question si les députés jouaient juste pour les statistiques d'être un joueur de jeux vidéo, bah là, tu remarques bien quand même que ça joue réellement au jeu. Ça joue sérieusement, ça joue très sérieusement, je suis très content. La France Insoumise qui va encore une fois perdre un joueur incroyable. Bah, je pense que c'est illégal, je pense qu'il y a un amendement qui va être déposé pour interdire les caches sur Nautilus à partir de demain à l'Assemblée Nationale. Amendement interdiction de luxe. J'ai vraiment hâte de voir cette deuxième game. La première était serrée et de très bon niveau, c'est quand même deux très bonnes nouvelles. On a été très surpris, agréablement surpris, Gob et moi, par ce qu'on a vu, donc c'était extrêmement cool. Il y a du niveau, encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont députés qu'ils jouent pas à un niveau quand même assez correct. Encore une fois, il y a pas mal de gens sur Twitter qui se plaignaient en disant « Bouh, les politiques qui font du jeu vidéo, etc. C'est de la récupération ?» Pas du tout. C'est juste pour les statistiques. C'est sûrement des, gens qui jouent mieux que vous et moi. Et bah tant mieux, moi je suis très content. Ça c'est la division à gauche. Hein. Ça, il l'a dit, il y a un permaban dans son équipe. Hein. Ouais, voilà, ça ils arrivent pas à s'entendre, ils arrivent pas à s'unir. Qu'est-ce que je te dis? Voilà, ça perd les élections, ça perd les fights. C'est gratuit. C'est gratos, ouais. Mais ça fait plaisir. Et c'est le 2-0. C'est le 2-0, victoire pour Denis Massiglia et son équipe, La République En Marche, qui remporte du coup ce match amical contre la France Insoumise. Incroyable. Ah là là, quelle belle game.